Hello la fitness team, on se retrouve encore pour une série d'exercices. Le principe est le même, 5 exercices, 40 secondes par exercice, 15 secondes de repos. À la fin de la série, j'ai une minute de pause et on essaie de faire au moins 3 fois le tour. On est parti. Premier exercice, on va partir de la position pompe à la position squat. Je ramène les pieds, je vais chercher une position squat. On pose les mains au sol et je renvoie. On peut décomposer comme ceci ou on peut simplement envoyer. Là, ici, là. Ici, 40 secondes. L'exercice suivant, battement. Si vous avez des haltères à la maison, c'est super. Sinon, vous prenez deux petites bouteilles d'eau. Les bras tendus, on vient amener les mains derrière la ligne de corps. À partir de là, je suis ni trop bas, ni trop haut. On reste entre les deux et on est parti pour 40 secondes de battement. Le nombril dedans, solide sur les jambes. 40 secondes. Toujours les mains derrière le corps. Exercice numéro 3. Je vais prendre la position chien tête en bas. Donc la position chien tête en bas, c'est simplement les fesses en l'air, les pieds à plat. Et c'est la main qui va aller chercher le pied opposé. Je replace, opposé. On replace, opposé. D'accord ? 40 secondes comme ça. L'exercice suivant, la même chose, sauf que cette fois-ci, je suis sur le dos. En étoile, la main droite va chercher le pied gauche. J'inspire en ouvrant. Et l'inverse, soufflez en fermant. Main droite, main gauche. 40 secondes. Utilisez le souffle. Et le dernier, on y est. Fente sautée. Position de fente et j'échange dans l'air. Fente et j'échange dans l'air. D'accord ? 40 secondes. 3 tours, c'est parti. Ok, on est parti dans 10 secondes. Allez, position pompe tout le monde. On va amener un pied à droite, un pied à gauche, et on monte en position squat. C'est parti. 1, 2, et on redresse. Ouais. Et on redresse. Ou en sauter, comme Julien vient de le faire. Nickel. On peut jeter les pieds au retour, jeter les pieds à l'aller, et on redresse. Yes. Attention, on a le dos bien droit, on se redresse bien. C'est parfait. Il vous reste 20 secondes à la maison. Il en reste 20 secondes aussi ici. Tout se passe bien. Libérez le souffle. Super. 1, 2, et on redresse. Très bien, il reste moins de 10 secondes. Allez, moins de 10 secondes, il n'y a personne qui abandonne, on y est. Hein. Hop, hop, et on redresse. Super, numéro 1, c'est fait. On part debout, à la maison, vous prenez vos petites haltères ou votre bouteille d'eau, vos bouteilles d'eau, les mains placées derrière le corps. On n'est ni trop bas, ni trop haut. Battement. C'est parti. Yes. Donc là, le but du jeu, c'est de garder les omoplates serrées entre elles. Voilà. On peut avoir une toute petite amplitude de mouvement ou on peut agrandir un peu plus les battements. C'est comme vous voulez. Le nombril dedans, n'hésitez pas à espacer un petit peu les pieds. Au début, ça paraît simple et puis ça se met à chauffer d'un coup. Nickel. Allez, les bras bien symétriques. 15 secondes. Pour l'instant, ils sont très bien. J'espère qu'à la maison, vous êtes pareil. Quand avec les bras tendus, ça devient trop difficile, pas de souci, je peux ramener un peu les bras vers l'intérieur. Cette fois-ci, c'est les coudes qui vont monter et descendre. On garde les omoplates serrées derrière. Allez, 2 secondes à tenir à la maison. Ok, ça c'est fait, super. Position chien, tête en bas, on va aller chercher le pied opposé. La main droite va chercher le pied gauche, la main gauche va chercher le pied droit. Les fesses en l'air, comme Florent. Et on est parti. Super. On prend le temps sur celui-ci, on n'est pas pressé. Tu peux garder tout le temps les fesses en l'air. Et en fait, la tête est tout le temps à l'intérieur. Voilà, en fait, la tête est tout le temps là. Ouais. Repose la main. Et la main droite qui va chercher pied gauche. Il n'y a pas besoin de repasser par une position de gainage entre les deux. On reste comme Florent en position chien. Une main gauche, une main droite. 15 secondes à tenir. Allez, on peut le faire. Pensez à bien souffler. On évite les apnées. Voilà. Chacun son rythme, chacun son niveau. Le but du jeu, c'est de tenir tout le temps les 40 secondes. 5 secondes à tenir, les champions. Allez à la maison, encore un peu. Ouais, c'est gagné. Parfait. On se met en position abdos, on est sur le dos, en étoile. La main droite va chercher le pied gauche. La main gauche va chercher le pied droit. Une montée, un souffle, et on peut reposer à chaque fois. Ouais. Voilà, on prend le temps entre les deux échanges. On peut respirer une à deux fois au sol et puis lancer son mouvement en soufflant. J'inspire.
je souffle, j'inspire, voilà. Chaque fois que je ferme, je souffle. Pensez au périnée, pensez à avoir le nombril dedans. On est bien contracté en bas, bien tight. Il nous reste 10 secondes. De nouveau, c'est les abdos, on a le temps. Qualité de contraction, il n'y a pas besoin de courir. Allez les champions, 5 secondes. Encore un tout petit peu. Ça y est, c'est fait. Super. Allez, on arrive sur le dernier, c'est fin de sauter. Un peu de cardio, on vient un peu chauffer les jambes. Allez, mental gagnant. Les gars, vous tenez. Hein. 40 secondes à la maison aussi, on s'accroche. Hein. Après, on a une minute de pause après. Et c'est parti. Allez. Ouais, fin de sauter. Maximum d'amplitude, le haut du corps bien détendu. Voilà. Les épaules relâchées, on est bien. Il n'y a que le nombril qui est bien contract. Allez. Julien, nickel. Florent, nickel. 20 secondes, les gars. 20 secondes et une minute de pause pour tout le monde. Hein. Allez, courage à la maison. Voilà. Il nous reste une dizaine de secondes. Si ça pique trop à la maison, on oublie les sauts. On continue sur des fentes, sans sauter. Le haut du corps bien droit, fier dans la tête. On y est. 3, 2, allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Ok, une minute de pause, deux tours à faire. Courage.